Ce matin, j'arrive pas à me décider à suivre Terlien à son travail. Ben, c'est très très intéressant d'observer Terlien travailler pour mon étude sur le travail d'eux. Je ramasse beaucoup beaucoup d'informations et puis mais y a plein de choses que je comprends pas. Mais je peux pas poser des questions au Terlien. Il y a juste Geneviève qui pourrait me répondre. Mais Geneviève, elle fait comme tous les terriens adultes. Elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Citron. Je suis en retard, moi, ce matin. J'avais oublié de régler mon réveil matin hier soir avant de me coucher. Je me souviens plus où est-ce que je devais être ce matin au lieu d'être ici. Je me souviens que je l'ai écrit dans mon agenda. Hier ou avant-hier. Voyons. Où est-ce que j'ai mis mon agenda? Citron, si j'avais une mémoire de Napélé comme Bibi aussi. Bibi? Peut-être qu'il sait, lui, où est-ce qu'il est, mon agenda. J'espère qu'il est pas sorti. Bibi? Bibi? Geneviève, je viens, je suis ici. Oh, t'étais là. Je suis ici. Et Citron, moi, le matin, là, quand je suis pas réveillée, je vois même pas ce qui se passe autour de moi. Bibi, t'aurais pas vu mon agenda par hasard? Non, je l'ai pas vu. Oh, t'es certain? C'est très, très, très important, Bibi. Oh, où est-ce que je l'aurais vu? Geneviève, si je te le dis, c'est parce que c'est vrai que je l'ai pas vu. Excuse-moi, Bibi. Je voulais pas t'insulter. Je devais voir ce que tu étais quand t'as regardé ton agenda pour la dernière fois. Je le sais! Oh, Bibi, t'es un ange! Je suis un ange. Je suis un ange, moi. C'est quoi, ça, un ange? Je me suis souvenue que j'avais laissé mon agenda dans mon portfolio. Ah! Maintenant, je vais savoir où je devrais être exactement en ce moment au lieu de te parler. Ah! Oh, ben, Citron! Geneviève, c'est la première fois que je te vois rire quand t'es en retard. Parce que je suis pas en retard, Bibi. J'ai tellement travaillé toute la semaine que je me souvenais plus qu'aujourd'hui, je prenais congé. Tu travailles pas, Geneviève? Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Ah, mais tant mieux, Geneviève! Parce que moi, là, j'ai plein de questions à te poser pour mon étude sur le travail d'eux. Bon, par exemple, je voudrais savoir combien d'argent les Terriens gagnent en travaillant, puis aussi qui leur donne de l'argent. Oh, puis aussi, j'aimerais ça, savoir s'ils dépensent tout leur argent pour vivre. Et puis aussi... Stop, Bibi! Je travaille pas aujourd'hui, mais j'ai pas envie de répondre à tes 50 000 questions. Ben, Geneviève, j'ai besoin de tes réponses pour mon étude. Sinon, je peux plus continuer. Mais je comprends, Bibi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de m'amuser. Bon. À moins que quoi? Attends. Chut. Tu vas voir. On a inventé le jeu de la paye. Geneviève m'a tout expliqué. Puis maintenant, on va jouer. Je suis prête, Bibi. Moi aussi. On commence? Oui, attends un petit peu. Ben si c'est pas le petit nouveau camelot. Je viens livrer votre journal, Madame Terrienne. Oh, c'est bien gentil, mon petit garçon. Bienvenue. Oh, c'est la collecte aujourd'hui. Oh, mais si, trop, j'avais oublié.
Tiens, ça, c'est pour toi. Oh. Et puis ça, c'est pour le journal. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, ferme bien la porte en t'en allant, là. Il fait froid dehors. Là, c'est comme si j'avais perçu l'argent de tous mes clients. Puis je vais aller le donner au terrien qui apporte les journaux chez nous à tous les matins. Bonjour. Bon. Est-ce que t'as collecté tout l'argent des journaux, mon petit camelot? Oui, monsieur Terrien, voilà l'argent. Ah. Tiens. D'accord. Mais c'est bien ça. Tiens, là ta paye. C'est bien ça. À la semaine prochaine. C'est ça. Bon. Merci. Ben, maintenant que tous mes petits camelots m'ont payé, je vais retourner au journal. J'arrive, là. Regardez bien. Là. J'ai ma moustache. Hop. Tiens, comme ça. Oui, c'est ça. Mettez sa photo en première page. C'est ça. Au revoir. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà l'argent de la distribution des journaux. Oui, c'est ça. Parfait. Deuxième, parfait. Bon, vos petits camelots font du bon travail, là. Surtout les petits nouveaux avec les cheveux verts. Ça, c'est moi. tenez, voilà votre paye. Merci, monsieur. D'accord. Bon, là, il faudrait que des magasins achètent des annonces publicitaires dans mon journal. Ben oui, si je veux payer les journalistes, les papiers, les primaires. Oui, allô, ici le journal. Oui, bonjour, et ici Geneviève de la librairie Beau Livre. J'aimerais mettre une annonce dans votre journal. Avec plaisir, madame. Ben, oubliez pas d'envoyer votre argent pour payer votre annonce. Non. Je fais la libraire. J'ai mis une annonce dans le journal pour faire connaître ma librairie. J'ai hâte d'avoir des clients. Ah, bonjour, madame la libraire. Tiens, le petit nouveau camelot. Je voudrais acheter ce livre-là, là. Celui-là? Oui, c'est ça. Ah, c'est 5 $. 5 $? Ah, voilà. Merci. Justement, j'avais besoin d'argent pour payer mon annonce dans le journal. Bon. Alors, la libraire paye le journal. Le journal paye le distributeur. Le distributeur paye le camelot. Puis le camelot achète à la libraire. À la librairie. L'argent, ça tourne en rond, comme une roue. C'est ça. T'as tout compris, Bibi. Mais Geneviève, est-ce que l'argent a mal au cœur des fois quand il tourne trop en rond? Oh, citron! Pas ce mot-là, ça me donnerait pas assez de points. À moins que... Je l'ai. Ça me donnerait beaucoup de points. 1 plus 1, ça ferait... 35 points! Tic! Attends, je le mets ici. J'ai trouvé mon mot, Bibi. J'ai 35 points. J'ai fait tic! Tic! Tic comme dans tic-tac? Non, tic, T-I-Q-U-E. C'est un insecte, un tic. Hein? Une tic, oui, c'est ça. C'est un petit insecte. C'est un parasite, ça vit dans le poil des animaux, des chiens ou bien des moutons. C'est ça. Ben, ça me fait 35 points. 35? À combien on est rendu, là? Ben, 77 plus 35 pour... Ça te fait... 112 points, Geneviève. Moi, j'ai juste...
48 points. Oh, tu vas pouvoir te reprendre, là, Bibi. C'est à ton tour. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Mm. On joue au Scrabble. C'est un jeu de mots. Oh, oui. Geneviève a répondu à mes questions pour mon étude sur le travail d'eux. Puis là, moi, je joue à son jeu. C'est amusant, un échange comme ça, hein? Mm-hmm. Bon, alors, j'ai plusieurs E. 2 C. E, L. Puis, hein? Ça marche! Ça marche! Geneviève, viens! Geneviève, j'ai trouvé un mot! Qu'est-ce que t'as fait? C'est un mot qui va devant ton tic, là. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Bon, alors j'ai un E accent aigu, un C, un L, puis un E, puis un C, ça fait éclectique. T'es ben bon, Bibi! Comment ça se fait que tu connais ce mot-là? Ben, je l'ai lu souvent dans les journaux, puis je l'ai entendu beaucoup à la radio. Eh ben, ça m'impressionne, ça. T'es bon. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, éclectique? Ah, éclectique, ben, ça veut dire qu'il se limite pas à une chose en particulier. Regarde, je vais te donner un exemple. Mmh. Tu vois, toi, Bibi, là, ouais. T'es éclectique dans tes sujets de travail. Mais ça veut dire que tu t'intéresses à plein de choses. Mmh? Tu te limites pas juste à un sujet. Mmh. Ah oui, 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 oui. Je suis éclectique, 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 éclectique. Bon. Mais, par exemple, Bibi, comme tu savais pas ce que ton mot veut dire, ben ça compte pas. Ah, mais Geneviève, pourquoi? C'est une blague, Bibi. Tu sais bien que c'est juste une blague. Allez, place le ton mot. Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Bon, ok. Tiens. Ben, ça me fait beaucoup de points, là, Geneviève. Hein? Oui, ça te fait combien? Ça me fait 5, 12, 15... Ah! Oh, Geneviève, je suis tout défait le jeu. Oh, c'est pas grave, Bibi. On va recommencer une autre partie. Je répondrai pas au téléphone, puis on reprend une autre partie, OK? J'allais dépasser, ça comptait tri. J'ai des tonnes de mots dans ma mémoire, t'appeler. On peut recommencer. J'ai comme amnésique, xérophile, zygnomatique. Oh, citron!